Donc retour au direct. On a eu un petit souci de son, mais on est de retour. Voilà. Exactement. Et Marcus Cheux nous attendait pour faire cette petite course sur le côté droit. Voilà. Donc deuxième mi-temps de ce match. Les Cougars de Saint-Antoine-l'Aumône qui accueillent le Flash de la Courneuve. Je rappelle donc que les Cougars mènent 17-7 face au Flash. Un match plutôt rythmé hein, en première mi-temps, Greg. Ouais, surtout en premier quart, comme on le disait tout à l'heure, on espère qu'on va pas retomber dans l'espèce de déferlante de mouchoirs, notamment côté la Courneuve. On a compté plus d'une centaine de yards tout à l'heure côté Flash en termes de pénalité, ce qui fait un petit peu beaucoup, notamment sur une mi-temps. Mais là, en tout cas, le Flash qui avance bien et qui est dans la moitié de terrain des Cougars. La passe sur le côté droit, c'est catché. Poutouraï qui ne réussit pas à empêcher cette passe. Donc à noter que Robin Mouton était sorti en cette fin de première mi-temps pour un petit problème à la cheville. C'est la chemise, ça va. Mais il est de retour sur le terrain. Je vois le numéro 96 sur le terrain côté Cougar. Donc pas de blessure notable. Et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, on avait la sortie de Mickaël Doucouré qui est revenu, qui est sorti tout à l'heure sur blessure et qui revient donc. Heureusement pour l'instant pas de blessés importants à signaler de part et d'autre. Sauf Ovin Vapoir, bien entendu. Et la course de Cheux au milieu, ouais, c'est bien fait. Qui est donc arrêté par le numéro 94 qui a fait son entrée dans le match. C'est donc. Mehdi Touati, exactement, excuse-moi. Ancien du Flash de la Courneuve qui était passé par les Monarques de Saint-Denis à deux saisons de ça. C'est même pas un transfert, je crois. Je sais pas s'il jouait l'année dernière. Il me semble qu'il jouait. Hein. Il me semble qu'il jouait. Autant pour moi. Voilà. Il a joué pendant pas mal d'années au Flash. Il vient porter un petit peu son expérience, qu'il a quand même 36 ans, mine de rien. Exactement, hein. Exactement, 36 ans. Donc Mehdi Touati qui a remplacé Freeman Maitrel hein, en poste de middle linebacker. Voilà, qui va apporter un petit peu plus d'expérience parce que Freeman Maitrel qui est très très jeune. Allez, la passe sur la gauche, c'est pour Mwamba. Donc c'est catché les. Le Flash donc qui rentre dans les 10 yards Cougar. Hein, ça va être une première et 9. Parce que c'est sur la ligne des 9. Allez, histoire de se relancer un petit peu côté Flash, puisque on l'a dit, chaque opportunité qu'ils ont eu pour reprendre le momentum, ça s'est terminé notamment par des interceptions avec les deux pics d'abord de Tembo et le deuxième qui était de Torel. Signé Torel, ouais. Allez, triple droite côté Flash. Et passe sur la gauche. Et c'est touchdown là. Touchdown, oui, c'est touchdown. C'est touchdown de Mickaël Doucouré. Voilà, deuxième TD du match pour Doucouré. Donc on a influencé un petit peu la défense Cougar en mettant un trip à droite et en lançant sur le 1 contre 1 à gauche. Et ils avaient fait exactement la même chose en première mi-temps avec la trip droite. Et pareil, Doucouré qui est parti sur l'aile gauche au duel avec Apoutouraï. Exactement. Donc le Flash qui réagit bien dans ce début de deuxième mi-temps pour revenir à 17-13 en attendant la transformation de Selim Ziane qui va passer au milieu, direction l'autoroute. Non, ça va. 17-14 désormais. Le score, tu le disais tout à l'heure, donc d'il y a 4 ans peut-être pour les Cougars. Exactement, il y a 3 ans si ma mémoire est bonne. Il y a 3 ans, en fin de match, le match était soldé par une victoire des Cougars 17-14 à la dernière seconde. Donc voilà, on revient à ce point. Le Flash qui s'est vite remis en route. Hein. Premier drive, tout de suite, ça va scorer. Alors je ne sais pas quels ont été les mots du coach Flash dans les vestiaires, mais je pense que ça a un petit peu tremblé. Oh, ça devait être fleuri, je pense. Oui, notamment sur les fautes à répétition, la perte de terrain due à ces false starts répétitifs. Bah là, il me semble pas avoir vu de flag. Ah non. Sur ce premier drive, donc c'est déjà une bonne chose que sur la première phase offensive, ce soit pas le cas. Ah, de toute façon, il était vraiment indispensable. Corriger ces erreurs qui pourrissaient un petit peu leur jeu d'attaque. Alors on va voir ce que donnent les équipes spéciales. On a vu que tout à l'heure au niveau de la couverture sur les retours, c'était globalement satisfaisant côté Flash. On a vu qu'il y avait quand même des joueurs à surveiller côté Cougar, notamment à Moaco qui nous a fait un ou deux retours assez intéressants.
Il est toujours positionné avec Varela, me semble-t-il. Exactement, oui, c'est ça. C'est Varela et Amouako. Allez, le coup de pied de Selim Zian. C'est vers Amouako. Hein. Pour la première récupération, Cougar. C'est Mouton qui prend la balle. Oh là là. Qui prend l'extérieur. Oh là là. Oh là là. Belle remontée hein, de la part de Robin Mouton. C'était un coup de pied très court. Alors, il y a un flag qui a été lancé par Juan Perez Canto. Ah, j'ai peur que ce soit contre Raphaël Demarty, hein, le joueur Cougar. Une petite altercation, un petit accrochage avec le joueur du Flash. Alors, par contre, alors ça arrive souvent dans les associations sportives de football américain, mais alors c'est une histoire de famille hein, chez les Cougars, parce que on a la famille Rosette, on a la famille Demarty, on a la famille Mettrel. C'est ça. Voilà, donc les. C'est les de l'élevage. c'est ça, hein. C'est dit grossièrement, alors, mais c'est de l'élevage. Alors, je sais pas ce que leurs parents leur donnent à manger au petit-déj quand ils étaient enfants, mais en tout cas, voilà. Ce sont des joueurs accomplis en élite. Les jeux sont préparés par Xavier Mas. D'accord, très bien. Il me semble que c'est une fausse flash, du coup, hein, parce qu'on a une excellente position de départ pour les Cougars. Apparemment, oui, les Cougars qui repartent sur la ligne des 36. Hein. Peut-être un face mask. Toujours Price à la manœuvre. Comme ça. Alors, Price qui hésite, qui est sous pression. Il passe sur la droite, c'est un petit peu pour Varela, je crois. Exactement, oui, c'était en direction de Varela, mais la balle trop haute, direction la touche. Ouais, donc passe incomplète, hein, deuxième et 10 pour Saint-Anne-l'Aumône. Et puis les Cougars toujours dans leur position, dans leur formation pardon, habituelle. Formation spread, donc deux receveurs de chaque côté. Pour l'instant ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison de se priver. Les petites motion, enfin le remplacement de l'Enchantin. Il est tout seul sur le côté droit. Et c'était pour l'Enchantin. C'est l'Enchantin plein centre. Ouais, qui n'a pas réussi à récupérer son équilibre hein, sur ce catch. Il y avait vraiment Michael Sarr qui était tout seul juste devant nous sur la droite. Ouais, alors, il y avait Brandon Minin éventuellement en renfort. Mais le petit tracé Hitch était vraiment esselé. Hein. On a bien vu le corner du Flash reculer. Voilà. Allez, Price court, qui prend les jambes, Price. Qui prend l'intérieur, qui gagne des yards. Oh, c'est un beau gain hein, de Tanner Price. Hein. Ouais, bah c'est first down. Hein. Ouais, là c'est un first down. Hein. On est rentré dans la red zone. Ah, voilà. Ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est que Kevin Joyce est arrivé à sa hauteur et s'est arrêté d'un coup. J'ai senti qu'il était battu ou je sais pas, mais c'était un petit peu bizarre. Bon, en tout cas les Cougars, voilà. C'est une trips à gauche. C'est une passe. Il est tout seul. Varela qui est tout seul. Oh, et c'est catché quand même. C'est catché malgré le retour de Monet. Voilà, donc Varela qui a pu gagner quand même du terrain. Hein, pas mal sur ce terrain. C'est une première. Première et 6 pour les Cougars. Il me semble que c'est un petit peu la panique hein, là dans la défense. Bah, apparemment, il y a un problème de signation. Ouais, c'est pour ça que Varela s'est retrouvé étrangement tout seul. Ouais. La passe côté droit. C'est à destination de Varela. Bien couvert par Minin. Ouais. Et on sera donc sur une deuxième égale. Et il semblerait qu'on fasse rentrer la grosse équipe hein, côté Cougar. Milman, Tembo, qui joue habituellement en défense, hein, qui passe en attaque. Je pense qu'il faut s'attendre à de la course, un jeu lourd. Hein. Ouais. D'ailleurs, on a renforcé le jeu au sol, puisque il me semble que Kezami a remplacé Ferreira. C'est Tembo. Ouais. Et pas de gain, hein. Pas de gain. Ou alors un gain très très léger. Oui. Très bonne réaction de la part de la défense du Flash. Avec notamment Domon et Mboucha au plaquage. Et ça a très bien réagi. C'était une course du fullback. Et troisième égale. Oui, il y a eu un petit gain de 1 yard. Hein. Donc c'est une troisième et 5. Hein. Troisième et 5. Les Cougars qui vont devoir soit convertir sur cette action. Ou sinon, je pense qu'ils vont être contraint à taper les coups de pied du field goal. Et la Price. Passe. Petite swing pour Amouako. C'est un fumble. C'est un fumble. Oh là là, un plaquage terrible. Attention. Terrible subi par Amouako. C'est un TD qui est annoncé là-bas. Moi j'ai le sentiment que c'est un fumble. J'ai vu et les deux après bras en il y a effectivement. Alors c'est un fumble et effectivement. Ouais, il y a eu un choc terrible hein, entre Amouako qui est encore au sol
Et le défenseur du Flash, il me semble que c'est le numéro 17. Hein. C'est le numéro Mucha, 17, ouais, Mucha. Voilà, Amoako qui s'était jeté dans la end zone, littéralement. Mucha qui avait plongé également pour le contrer, pour le stopper. Et c'est pas TD. Hein. Regarde, la balle est bien placée entre la ligne des 1 et la end zone. Donc la balle est rendue au Cougar. Je pense que c'est une quatrième tentative pour les Cougars. Quatrième et rien. Ouais, c'est ça. Quatrième, ouais. Donc on va dire que c'est un moindre mal pour les Cougars pour ou tenter la quatrième égo, parce que là pour le coup à un yard ça peut se tenter. Oui, enfin là on est même à moins d'un yard, hein, donc pour moi il faut vraiment que la défense. Ça sent la nouvelle QB sneak de Tanner Price. C'est ce que j'allais dire. Ça sent la deuxième QB sneak de Tanner Price. Mais j'imagine vraiment que le Flash s'y attend là. Hein. Là vraiment, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est d'assurer. Et Mucha qui sort, mais qui trottine aussi, un peu. Hein. Ouais, Mucha en trottinant. Effectivement. Amoako qui reste encore sur moi, j'ai l'impression. Amoako qui reste encore sur le bord du terrain. Voilà, mais ça a l'air aussi d'aller un petit peu mieux. Hein. Il a l'air de reprendre ses esprits aussi. Hein. Pour Amoako ? Oui. Alors, j'ai vu aussi l'entrée de Septorel. Tu me disais au début de partie que Septorel était passé dans la défense Cougar. Voilà. Il est également utilisé vraiment sur quand on a besoin vraiment de poids. Parce qu'on sait que Septorel a pas mal d'impact. Oh là, oh là, oh là, oh là, 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 c'est un flag. Alors si c'est un faux départ pour les Cougars, ça serait vraiment préjudiciable pour eux. Ouais. Se retrouver une situation aussi favorable. Parce qu'on a, alors on avait Carl Tenbo en one back et Sébastien Torel en running. Donc comme tu disais, c'est un peu c'est vraiment une phase spéciale au niveau du jeu offensif. Donc là, je sens qu'il y a une petite confusion. Le snap a été lancé. Mais j'ai eu le sentiment que le flash a bougé avant. Le flash est rentré. Ah, ouais, voilà, comme tu le craignais, ouais, c'est un faux départ des Cougars. Hein. Alors vous l'entendez, c'est un peu. Voilà, on a les coachs du flash juste devant nous qui sont assez remuants, parce qu'apparemment il y a des problèmes de changement de personnel notamment. Et on va la tenter, la quatrième, quatrième est goal. Et Price qui prend la balle, hein. Price qui force. Ouais, ça pousse et il va être stoppé. Hein. Et turnover, il va être stoppé sur la ligne des 4. Et alors, est-ce que c'est judicieux de tenter la quatrième à cet endroit-là ? À la course, en tout cas, je ne pense pas. Je pense que non, le choix de Coach Mass n'a pas été bon là. Hein. Pour moi, il aurait fallu. Que ce soit Price qui est décidé par lui-même de. Aussi, c'est possible. Hein. On sait que Price est le coordinateur de l'attaque. Bon, en tout cas, peu importe le choix, voilà, ça n'a pas été payant. Et on est quand même sur deux actions positives, on va dire, pour le Flash depuis le début de cette mi-temps. Exactement, oui. Et donc le TD de Doucouré et juste derrière le turnover en down. Exactement. Alors, il y a une nouvelle conférence entre Patrick Carr et Erwan Pérez. C'est vrai que le banc du Flash est quand même très très remuant depuis le deuxième quart-temps. Un petit peu trop par moment. Ça fait du bruit, ça rentre sur le terrain, ça. Bon, c'est le football, hein, faut le dire ce qui est, hein, ça fait partie de l'ambiance du foot. Mais bon, voilà, je pense que quand même il faut. Mais c'est vrai qu'on a vu notamment Jean-Philippe Dingor, le coordinateur défensif, faire des grands gestes et courir un petit peu partout sur le bord du terrain pour rappeler les sorties de terrain, pour rappeler les changements de personnel. Exactement. Et c'est peut-être aussi pour ça que Ron Perez-Canto vient les rappeler à l'ordre, je dirais. Bon, en ce qui concerne la position, Price a gagné quand même 3 yards sur cette course, c'est-à-dire que la balle est positionnée sur les deux, sur la ligne des deux du flash. Donc là, c'est une position très très délicate, hein, pour le flash. On s'attend à une course de show, hein, sur cette. Ou à une passe profonde sur Doucouré. Ou une passe profonde sur Doucouré. Ah, le faux départ. Là, par contre, ça va être problématique. C'est un faux départ et c'est du flash. Ah, ils n'ont pas attendu le meilleur moment pour commencer à prendre des flags, les Cordoviens. Ah, malheureusement non. Donc, on rappelle qu'à cette distance, c'est moitié. Je crois que c'est Washney, là, le 63, qui a été sanctionné. Recul d'une moitié de distance, ouais. Qui est left tackle, d'ailleurs, je crois, Washney, hélas. Et qui est au duel avec Willman. Ceci peut expliquer cela.
première et 10 pour le. Alors, première et 11. Première et 11, là, ça devient vraiment délicat pour le Flash. Hein, pour se sortir de cette situation. Il va vraiment viser doux, quoi, tu vas voir. Ouais. Il va tenter, en tout cas. Voilà, c'est bah, voilà, la course de Chouette, t'avais raison. Ouais, ouais. Course plein qui prend l'extérieur. Hein. Ouais. Hey, Chou qui gagne quand même 9 yards hein, sur ce jeu. 8 yards. Donc qui donne un petit peu d'air à son équipe. Et deuxième et 3 du coup. Non, moins. Ouais, c'est une deuxième et 5. Deuxième et 5, ouais. Deuxième et 5. On devra appuyer sur cette course. Donc, toujours 17-14. Si vous venez de nous rejoindre dans ce troisième carton ici au stade de Scutari de Saint-Ouen-l'Aumône, après ce TD notamment de Mickaël Doucouré pour permettre aux Flèches de recoller au score. Les Cougars qui viennent de manquer une quatrième tentative. À quelques yards un but du Flash et les Cordoviens qui tentent de se dégager. C'est pour la Chaud. De Chaud. Oh, très belle anticipation de Mouton, mais avec le rebond, Chaud va aller chercher le first down. Mouton qui l'a manqué de peu. Mais une fois de plus, Chaud a réussi à se dépêtrer de ce plaquage. Alors j'ai annoncé le first down. Non, pas du tout. Il l'a pas obtenu, mais en tout cas, ça en est bien sorti. Il y a un flag qui a été lancé là-bas. C'est une faute contre les Cougars. Hein. Ouais. Il semblerait que ce soit une faute personnelle parce que les arbitres ont jugé que Shaw a été poussé alors qu'il était déjà sorti du terrain. Malheureusement. Donc, non, le Flash qui sort vraiment d'une bien mauvaise passe. Hein. Ouais. On aura eu quand même des ballons comme ça qui ont été rendus à l'adversaire. Je pense à cette faute personnelle tout à l'heure sur l'interception des Cougars. Exactement. Là, c'est pareil, c'est un peu une première automatique qui est offerte alors qu'on était sur une troisième côté Cordovien. Il y a des petits cadeaux comme ça. C'est vrai qu'on est encore très proche de Noël. Mais bon. Le Flash qui repart donc sur sa ligne des 25 sur une première tentative. Allez, la passe à suivre, la bonne pression. Et encore. Durand qui est contré par Raphaël Demarty. Et voilà. On parle donc de cette pression qu'exerce la ligne Cougar. Voilà. Deuxième balle typée. Deuxième balle contrée par les Cougars. La première s'était soldée par une interception retournée. Et cette fois-ci, la balle est au sol. Donc, passe incomplète, deuxième tentative pour les Cournoviens. C'est ça, toujours des races parcourir. Je ne sais plus si je précisé, on est toujours donc sur les 25 du Flash. Ouais, 25 du Flash. Avec une twin gauche. Oula, il y a eu du mouvement sur la ligne. D'ailleurs, il y a un flag qui a été lancé, ouais. Ça me paraissait un peu. Ah, c'est inutile, attention. Ça, et voilà. Ouais. Malheureusement, le joueur Cougar. Pour moi, c'est Toiti. Hein. Pour moi, c'est Toiti qui. Le 32, d'accord, ouais. Alors, il y avait le 32 qui a vite lâché Chaud, mais le 94, Toiti qui malheureusement n'a pas semblé entendre les sifflets des arbitres. Et donc. Alors. On a vu qu'il y avait un false start hein, quand même sur cette action. Donc on va voir comment vont juger les arbitres. Donc false start contre le Flash. Et faute personnelle contre les Cougars. Donc ce qui fait 10 d'un côté et 15 de l'autre. Donc le Flash qui va gagner 5 yards sur cette action. Donc, et 10 yards à parcourir. Voilà. Ouais. Qui va gagner 10, pardon. Il faut faire attention parce que la semaine dernière, Flash Molos, début de deuxième mi-temps, on a vu un TD du Flash sur une succession de premières automatiques. Ouais, donc c'est vrai que là. Pas que c'est une tendance non plus. On commence à se demander, mais bon, j'espère quand même pas qu'il compte sur ça. Ah, si ça s'appuie sur ça à chaque fois, c'est compliqué. Pour l'instant, ça fonctionne. Côté Molos, ça a marché. Là, il y a deux forces d'un automatique. Une première et 10 pour le Flash. C'est en direction de Doucouré, c'était dans les jambes. Hein. Ouais. Et quand c'est que Doucouré mesure quoi ? 1,90 peut-être un peu plus. Pour aller la chercher en bas, c'est difficile. Hein. Et encore une fois un flag. Hein. Travailler les lombaires. encore une fois un flag. Hein. Malheureusement là, ça devient à chaque action là, ça devient un petit peu pénible. Première automatique. Non. Non, c'est un holding. C'est le flash qui est sanctionné. C'est un holding contre le Flash. Donc cette fois-ci, voilà. On revient à la situation de départ. Balle sur les 25.
première pour le Flash. Cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, première et 20. C'est ça. Attention à la passe profonde côté Cougar. Ah, alors, finalement, ce sera Agmon. Bon, le porteur. Ah, et c'est bien stoppé par De Marti, il me semble. Non, c'est pas De. Oui, c'est De Marti. De Marti qui, ouais, qui est plutôt en vue hein, dans ce début de. Deuxième mi-temps, pardon. Par contre, ce que je trouve quand même assez curieux au niveau du play call offensif du Flash, c'est qu'on a donc une ligne défensive Cougar qui arrive vraiment à bien pénétrer au niveau de la O-line. Et on a systématiquement des petites draws à destination du running back, alors qu'on a l'impression que le jeu screen, par exemple, n'est pas du tout exploité. Alors que Shaw, tout à l'heure, en fin de première mi-temps, a récupéré un gain intéressant. Exactement, ouais, c'était intéressant, c'est vrai. C'est un peu ouais, curieux. Excellente pression. Et Willman, et Bagrish, et Tembo. J'accorde ce sac à Bagrish, hein, Bagrish et Willman. Bon, on aurait pu faire 0,33. Je vais être bien, ça sur les fiches de la 3 défense, 0,33. Ils vont s'arracher les cheveux, ça va être infernal. C'est une perte de 10 yards hein, quand même hein, sur ce sac. C'est une troisième tentative. Maintenant, troisième tentative et 30 yards. Hein. Troisième et 30 sur la ND 15. Malheureusement, tous ces petits coups du sort, ces petits coups de pouce du flash ne sont pas exploités comme ils le devraient. C'est dommage. Hein. Ah, c'est les Cougars. Ils donnent deux premières automatiques et après ils disent bon, allez, on va faire une troisième et 50. Allez, troisième, ouais, jeu important pour le flash. Donc on garde un de blitz. Sur et le petit os à destination de Shaw qui prend l'extérieur. Ah mais bon c'est pas si. Oh là 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 là, le hit. Le hit monstrueux qu'il a mis à Septorel. Pour conclure son action. C'est assez impressionnant. Et là encore je suis un petit peu sceptique sur le play call. Donc le flash qui va se mettre en position de punt hein, pour pouvoir se dégager. Donc toujours Varela hein, pour le retour côté Cougar. Et toujours Johan Roy au punt. On va voir si cette fois-ci le coup de pied va être retourné. Oh c'est contré il me semble. C'est contré. Alors est-ce qu'avec le rebond. C'est contré. Alors c'est bien contré hein, de la part des Cougars. Et le coup de pied donc qui ne va pas très loin. Les Cougars qui vont repartir en bonne position sur la ligne des 45 dans ouais. Le camp de la Courneuve. Et ce qui est problématique pour le flash, c'est que c'est le deuxième drive offensif des Cougars dans cette deuxième mi-temps. Et c'est le deuxième drive qui commence dans leur moitié de terrain. Ouais, alors on a vu à quel point c'était dangereux. Hein. Ça a fini positivement pour le flash qui a réussi à se sortir de cette situation. Mais... Ils vont peut-être pas faire des turner and down sur chaque action. J'allais dire, Tanner Price va pas faire ce cadeau à chaque drive. Hein. Il y a que 3 points d'écart. Il ne faudra pas offrir des cadeaux aux Cougars comme ça. Donc, attention, la passe de Price est encore pour Amoako sur la gauche. Amoako qui gagne le premier et qui va au contact juste au niveau de la touche. Donc c'est une nouvelle fois un bon gain. Il y a 15 yards à peu près de gagné hein, sur cette action. Donc c'est une première. Voilà. Et le jeu, je dirais, aéré, les jeux un peu screen vers Amoako, celui-là, il est exploité par les Cougars. Et ça fait la différence. Ça va chercher les first down depuis le début du match. Effectivement. J'ai l'impression que donc le middle de la Courneuve qui couvre Amoako, du coup, perd un petit peu de terrain à chaque fois qu'Amoako sort. Allez, nouvelle course d'Amoako avec Samuel Norca au plaquage. Donc Amoako qui aura porté la balle pour... Et c'est déjà la fin du troisième quart.